Par exemple, en allant fouiller sur le site du journal Le Devoir, on peut tomber sur l'article « Penser au bien-être de nos jeunes en bannissant les cellulaires en classe ». Cet article-là est écrit par Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre CyberAide. Et dans son article, justement, elle dit qu'il serait judicieux de s'inspirer de l'Ontario et de la France à ce propos et bannir la présence des cellulaires en classe. Idéalement, vous reformulez les propos de votre source, de votre auteur, de manière indirecte. Ça prouve que vous avez bien compris votre texte et que vous êtes un fin écrivain capable de reformuler des propos. Vous débutez de la même manière. Tout d'abord, je considère les cellulaires comme des sources de distraction et de dérangement. Personnellement, je vais à l'école pour apprendre et pour apprendre, il me faut me concentrer. Bien. Maintenant, vous insérez ces propos de manière indirecte. Puisque cette technologie nuit à la concentration, il n'est pas étonnant que Cathy Tétrault, directrice générale du Centre CyberAide, est écrit dans l'édition du 4 septembre 2019 du journal Le Devoir que le Québec devrait s'inspirer de l'Ontario et de la France et bannir les cellulaires en salle de classe. Vous pourriez aussi choisir de rapporter ces propos de manière directe. Le même début, pratiquement la même phrase, toutefois, portez bien attention à la ponctuation. Puisque cette technologie nuit à la concentration, il n'est pas étonnant que Cathy Tétrault, directrice générale du Centre CyberAide, dans l'édition du 4 septembre 2019 du journal Le Devoir, formule les recommandations suivantes. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est pourquoi il serait judicieux de s'inspirer de l'Ontario et de la France à ce propos et bannir la présence des cellulaires en classe, point, fermez les guillemets. Ou encore, vous pourriez citer simplement l'extrait qui vous intéresse et, à partir des deux points, ouvrez les guillemets, citer « Il serait judicieux de s'inspirer de l'Ontario et de la France à ce propos et bannir la présence des cellulaires en classe, fermez les guillemets, point, à l'extérieur. » Finalement, quel serait l'exemple idéal d'un paragraphe de développement d'un texte argumentatif? Eh bien, voici l'exemple dans lequel on a reformulé de manière personnelle les propos de notre source. Tout d'abord, je considère les cellulaires comme des sources de distraction et de dérangement. Personnellement, je vais à l'école pour apprendre et pour apprendre, il me faut me concentrer. Puisque cette technologie nuit à la concentration, il n'est pas étonnant que Cathy Tétrault, directrice générale du Centre CyberAide, ait écrit dans l'édition du 4 septembre 2019 du journal Le Devoir que le Québec devrait s'inspirer de l'Ontario et de la France afin de bannir les cellulaires des salles de classe une bonne fois pour toutes. On s'entend que jusque-là, je n'avais pas besoin de téléphone pour apprendre. Eh bien, encore moins de celui de mes pères pour me déconcentrer. Une sonnerie de téléphone peut nous extirper sans préavis d'un moment où nous étions concentrés sur une lecture ou à résoudre un problème complexe. Bien sûr, il y a le fameux mode silencieux. S'il est vrai que ce mode évite de déranger son environnement, il n'en demeure pas moins que pendant que nous y prêtons attention, nous ne sommes pas concentrés sur nos apprentissages. L'étude de Louis-Philippe Bélan et de Richard Murphy a d'ailleurs démontré que la performance des élèves augmente significativement après l'interdiction d'utiliser les cellulaires. Conséquemment, au nom de notre réussite, je suis convaincue que les cellulaires n'ont pas leur place dans une salle de classe. Bref, dans un paragraphe de développement d'un texte argumentatif, vous devez nommer votre thèse. Celle-ci sera appuyée d'un argument et votre argument reposera sur la construction de fondements. Ces fondements sont intrinsèquement liés à vos sources. Et finalement, une conclusion partielle
terminera votre paragraphe argumentatif. N'oubliez pas que chacun de ces éléments seront liés entre eux à l'aide d'organisateurs textuels.